Salut à tous, c'est Kélia. Nous allons vous présenter un jeu de société qui s'appelle Similo Harry Potter. Dans toutes les émissions que nous allons faire, nous parlerons des jeux de société en compagnie de Amadeo. Bonjour. Et Nanette. Bonjour. Je vais laisser la parole à Nanette qui va présenter le jeu. C'est un jeu de cartes. Il y a un meneur de jeu qui essaye de faire deviner des cartes à un ou plusieurs autres joueurs. Le meneur de jeu étale 12 cartes, dont une qu'il doit faire deviner en donnant des indices. Alors maintenant, Amadeo et Nanette vont nous montrer comment jouer à Similo. C'est parti! Alors, le jeu. Donc, moi, je vais prendre une carte. Et ensuite, avec 12 cartes, vous allez essayer de la deviner avec des indices. Du coup, ça, tu vas comprendre au fur et à mesure de la partie. T'inquiète pas. Je regarde ma carte. Ok, j'ai mémorisé ma carte. Du coup, on va prendre. Hop. C'est 11 cartes. Et j'en prends 5 pour vous faire deviner. Ma carte, c'est le contraire de celle-là. Donc, on enlève les pareils. Ah, celle-là. Ouais. Et vous en enlevez une au premier tour. Je pense qu'on peut enlever elle, si t'es d'accord, parce qu'elle a une capuche, elle aussi. Ouais. Ok. Donc c'est bon, on va enlever. Bon, vous n'avez pas enlevé ma carte. Ok, un deuxième personnage est différent. Je devais en enlever deux. Attends. Donc, on peut enlever Will. On appuie. D'accord. Et. On appuie? Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Vous n'avez pas enlevé. Du coup, mon personnage est différent. Je pense qu'on peut enlever elle. Elle, ouais. Parce que eux, ils sont gentils. Et vous devez en enlever trois. Ah, bah. Et elle plaît. Elle? Ouais. D'accord, c'est bon. Ensuite, mon personnage est différent. On peut enlever elle. Ouais. Lui. On devait en enlever 4. Ah. Ah bah lui. D'accord. Lui. Lui. C'est bon. Et donc, mon personnage est différent. Vous devez en enlever une du coup. Et vous avez perdu. Ah non. Ah. Ma carte, c'était celle-là. En fait, vous avez perdu parce que lui, il est tout seul et lui, il est tout seul. C'était ma première partie de Simeo et j'ai bien aimé parce que c'était marrant. Bah, moi, j'ai déjà joué et j'aime bien le jeu. Et en plus, même si on connaît pas Harry Potter, c'est marqué dessus. Donc, ça va, c'est plus facile que si on connaît pas. Question difficulté, ça va, c'était pas trop difficile. Si le jeu vous a plu, il existe d'autres versions. Et voilà, le jeu est terminé, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. L'émission est maintenant finie, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la petite cloche. Au revoir.